Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre désormais célèbre Bibliogrill proposé par la délégation à la coopération de la Bibliothèque publique d'information. Un Bibliogrill que nous avons intitulé et nous avons vu que ce sujet avait suscité de nombreuses réactions. Faut-il être bibliothécaire pour travailler en bibliothèque? Ce sujet, nous l'avons choisi dans la suite des assises de la formation en bibliothèque territoriale qui ont eu lieu au Centre Pompidou le 30 novembre dernier et dont vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre page Facebook et notre site BPI Pro. En effet, au sein des équipes des bibliothèques, on voit apparaître de plus en plus des profils différents de ceux des bibliothécaires, des animateurs, des médiateurs sociaux, pour ne citer que quelques exemples, et on s'est posé la question que peuvent apporter ces agents d'un nouveau genre, si j'ose dire, aux bibliothèques. Pour en parler sur notre grille ce matin, Fabrice Chambon. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour à tous. Donc, pour te présenter Fabrice, tu es actuellement directeur de la culture d'Est Ensemble, mais sur ton précédent poste, tu étais notamment directeur des médiathèques de Montreuil. Et c'est notamment à ce titre-là que je vais te poser nos questions. Première question justement, quel est l'intérêt pour toi de recruter des personnes qui ne sont pas bibliothécaires de formation, voire qui n'appartiennent pas du tout au monde de la culture? Et avant que tu répondes, j'enchaîne avec une autre question qui a sans doute son importance. Comment peut-on faire, puisque toi-même, je crois que tu as fait ce genre de recrutement, et faut-il même ruser ou est-ce bien accepté par la tutelle? Alors tout d'abord, il me semble que la grande chance que nous avons en bibliothèque, c'est que nos missions sont très larges et que nous avons la possibilité dans nos murs d'imaginer des expositions, d'accueillir des concerts, d'accueillir du spectacle vivant, des conférences, des rencontres, et que nous allons donc dans de nombreuses directions professionnelles. Et que plus les compétences sont nombreuses et variées dans nos équipes, plus ça nous donne les moyens d'explorer efficacement ces territoires, encore une fois, variés du champ culturel, social et éducatif, avec de nombreux partenaires. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'incohérence, au contraire, à faire appel à des profils variés dans nos équipes et à recruter des personnes qui ne sont pas bibliothécaires au départ. Bien sûr, il faut des bibliothécaires dans les bibliothèques, mais bien sûr aussi, il faut des personnes qui ne le sont pas au départ, qui le deviendront progressivement, en recrutant par la voie effectivement de contrats plutôt que systématiquement par la voie d'un recrutement de titulaire. Quelques exemples peut-être issus des 10 ans que j'ai passé à la Bibliothèque de Montreuil. À la Bibliothèque de Montreuil, nous avions dans nos équipes des collègues qui étaient auparavant comédiens. Ça a été très utile pour développer des initiatives qui faisaient appel à la prise de parole, des initiatives autour de théâtre, pour se mettre en lien avec les nombreux théâtres de la ville. Alors, nous sommes à Montreuil, il y a 7 théâtres au niveau local, et donc ça a été tout à fait pertinent. Nous avons recruté des collègues qui étaient issus du monde de la petite enfance, nous avons recruté des collègues qui étaient issus du journalisme, des collègues qui étaient auparavant enseignants, etc., etc. Je pourrais être quitté enseignant en FLE. Voilà, donc des profils tout à fait variés. Nous avons aussi recruté des collègues qui étaient issus du territoire, d'un certain nombre de quartiers de la ville, et qui avaient, par exemple, de nombreuses compétences en matière de bricolage. C'est tout bête, mais c'est tout à fait utile quand on imagine de nombreuses expositions tout au long de l'année, quand on veut animer les espaces, faire en sorte d'avoir des forme de scénographie qui soit un petit peu aboutie. Nous avons aussi recruté des collègues qui étaient issus du champ de la communication. Évidemment, tout ça est très utile. Alors évidemment aussi, parfois, ça peut interroger effectivement les directions des ressources humaines, parce que, par exemple, recruter des profils en matière de communication, alors même qu'il y a une direction de la communication dans la collectivité, ça peut effectivement interroger. Pour autant, je ne veux pas insister sur cet aspect-là, cet aspect de com.
Parce qu'il me semble qu'en plus de la diversité des missions qui sont celles des bibliothèques, il y a un enjeu de faire évoluer l'image des bibliothèques en faisant événements tout au long de l'année dans nos murs, événements sur le territoire, avec encore une fois des concerts, des initiatives. Alors entre eux, on avait organisé par exemple une nuit électro, ça avait évidemment fait du bruit dans la ville, tout le monde en avait parlé. Et je pense que plus les bibliothèques feront événements dans la ville, plus elles devront se doter de compétences en matière de communication, parce qu'il se passe de très nombreuses choses dans nos équipements qui parfois ne sont pas portées à la connaissance de l'ensemble de la population du territoire. À l'inverse de ce qui peut se rencontrer dans d'autres équipements culturels. Par exemple, si on prend le profil type d'une équipe d'un petit théâtre, eh bien, il y a un tiers de l'équipe dont le travail consiste précisément à communiquer en direction de partenaires, en direction de tout public. Ça n'est pas du tout le cas dans les bibliothèques. Donc, il faut sans doute, de ce point de vue-là, faire évoluer le profil des équipes en intégrant de manière systématique, à partir du moment où la bibliothèque atteint une certaine taille, personnes qui ont des compétences en matière de communication, de manière à pouvoir rayonner sur le territoire efficacement. Donc, de ce point de vue-là, il a pu arriver que, on soit un peu flou sur le profil des personnes que nous recrutions. Nous recrutions par des biais de réseau des personnes qui avaient des profils de communication, qui parfois prenaient en charge d'autres missions, par exemple en secteur jeunesse, en l'occurrence nous concernant. Et donc, on insistait évidemment sur le profil secteur jeunesse dans les annonces, tout en sachant, nous, que nous recrutions quelqu'un qui, bien sûr, allait pouvoir filer un coup de main dans ce secteur-là, mais qui allait aussi pouvoir nous permettre de communiquer plus efficacement en direction de l'ensemble de la population. Donc voilà, parfois, pour répondre le plus précisément, mais avec quand même un petit peu la nuance nécessaire, évidemment, le recrutement d'un certain nombre de profils n'est pas une évidence au sein de la collectivité. Pour autant, quand c'est fait en maintenant un certain nombre d'équilibres et en respectant un certain nombre de cadres, il me semble que c'est possible et que tout ça s'effectue pour le plus grand bien des équipements et in fine pour le plus grand bien de la population à qui nous sommes en mesure de proposer des offres encore un peu plus variées et de porter cette offre à leur connaissance quand il est question de communication. Je profite de signaler aux collègues qui nous suivent en direct sur Facebook de ne pas hésiter à poser leurs questions. J'ai oublié de le mentionner en introduction, mais ça alimentera notre discussion juste après. Alors, une fois que ces personnes ont été recrutées, deuxième question, Fabrice, à ton avis, que faut-il mettre en place pour les aider à s'acculturer d'une certaine manière au monde des bibliothèques afin qu'ils puissent assurer leur mission ? Ou bien faut-il au contraire les préserver de cette contamination, si tu me permets l'expression ? Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les préserver de l'influence des autres bibliothécaires de l'équipe. Au contraire, pour autant, il s'agit de faire en sorte que leurs compétences variées, donc leurs compétences non bibliothéconomiques, si je puis m'exprimer ainsi, demeure et qu'il soit fait appel le plus régulièrement possible à ses compétences. Par exemple, une collègue était journaliste dans le domaine de l'insertion. Donc, elle avait une connaissance précise de ce secteur d'activité-là. Évidemment, elle a pu s'occuper des partenariats dans ce domaine et développer une offre de services bien plus pertinente, bien plus conséquente que celle que nous proposions avant son arrivée. Un autre collègue était journaliste musical. Il a été recruté au secteur musique et évidemment, le nombre et la qualité des rencontres et des échanges qui ont pu être proposés au public, là aussi est allé croissant, bien sûr, ces collègues deviennent petit à petit bibliothécaires, y compris j'insiste sur le fait qu'il faut de ce point de vue-là, évidemment, les accompagner par le biais de formation. Avant que la discussion ne commence, je me suis permis de faire un petit récapitulatif. Par exemple, ces dernières années, nous avons embauché sur une équipe de 52 agents à temps plein plus 8 étudiants à temps non complet, 17 personnes qui n'étaient pas au départ bibliothécaires et dont 10 ont été titularisés puisqu'ils ont fini par réussir les concours. Donc voilà, ça dit bien quand même la logique qui est la nôtre, c'est-à-dire qu'il s'agit d'intégrer ces compétences dans la bibliothèque, de les intégrer dans la fonction publique par le biais de la réussite au concours. Donc il y a bien une formation qui se fait à la fois en interne sur le tas par le biais d'échanges, de formations plus ou moins formalisées en interne du réseau intercommunal,
de l'Association des bibliothèques de Seine-Saint-Denis pour ce qui concerne Montreuil, et puis évidemment les formations du CNFPT ou autres qui interviennent en complément. Et donc, voilà, il s'agit de trouver un point d'équilibre. Moi, il me semble que finalement, si on… Alors, je le dis avec mes mots, mais les bibliothèques incarnent aujourd'hui une partie de ce que pouvaient incarner les MJC il y a quelques années, les Maisons des Jeunes et de la Culture, et donc s'inscrivent résolument dans des perspectives d'éducation populaire. Et donc, pour s'adresser aux publics les plus variés possibles, pour s'adresser aux partenaires les plus variés possibles, pour précisément aller toucher des publics toujours plus nombreux, eh bien, il faut finalement avoir chevillé au corps cette démarche d'éducation populaire qui se superpose au sens du service public que nous avons tous en tant que fonctionnaires, et que ce sens du service public et cette mission d'éducation populaire, elles peuvent s'incarner dans des profils et des compétences qui sont finalement assez variées. Et encore une fois, plus elles le sont, plus elles viennent enrichir cette démarche générale. Et à l'inverse, du coup, que peuvent apporter, alors tu as parlé des partenariats, mais au-delà de ça, que peuvent apporter ces nouveaux profils à la dynamique de l'équipe, et est-ce que les bibliothécaires changent d'une certaine manière à leur contact? Sans doute, oui. Ce qu'ils peuvent apporter, j'aurais des exemples vraiment très nombreux. Par exemple, à la bibliothèque de Montreuil, se sont mis en place des cours de piano et de guitare. Voilà. Alors, qui était assuré par certains collègues qui étaient bibliothécaires, certains collègues qui ne l'étaient pas au départ, mais qui avaient ces compétences-là. Voilà, il y a des cycles depuis maintenant quelques années, des cycles « Apprends trois accords et forme ton groupe », c'est le nom qu'on a donné à cette initiative, et donc sans aucune compétence préalable de solfège, donc de manière complémentaire à l'offre, par exemple, d'un conservatoire ou d'autres structures municipales, eh bien… était proposée une initiation au piano, à la guitare, pour se faire plaisir, jouer quelques morceaux. De la même manière, encore une fois, je disais que nous avons deux collègues qui étaient comédiennes auparavant. Nous avons développé des offres de découverte du théâtre pour les publics scolaires, pour les publics ados. Donc, un certain nombre d'initiatives ont pu être montées par ces collègues, et ils ont été montés par ces collègues et se sont agrégés à ces projets d'autres collègues qui étaient bibliothécaires, qui ont trouvé l'initiative tout à fait pertinente et qui se sont greffés et qui ont fini par le porter finalement autant que les collègues qui l'avaient initié au départ. Donc, bien sûr, tout ça a vocation à faire tâche d'huile, et finalement, les compétences et les envies des uns et des autres ont vocation à s'enrichir, comme c'est le cas dans n'importe quelle équipe au final, que les collègues soient bibliothécaires au départ ou pas. Finalement, tout ça est relativement secondaire. Ce qu'il faut, c'est accepter de prendre le meilleur des compétences de chacun, des motivations de chacun, des centres d'intérêt de chacun, pour les mettre au service d'un projet d'éducation populaire et de réduction des inégalités d'accès à la culture et au savoir. Alors, justement, c'est une question un peu provocante, évidemment, mais qui a été beaucoup dans les réactions quand on a annoncé notre bibliogrill. Est-ce que pour toi, au fond, peut-on se passer des bibliothécaires? Alors, tu as un peu répondu, mais quelle est ton opinion? Non, bien sûr que non. Il n'est pas question de se passer des bibliothécaires. Il est question d'intégrer dans la définition du bibliothécaire, peut-être des profils un peu plus larges que ça ne pouvait être le cas par le passé, ou que ça peut être le cas dans les représentations qu'une partie de la population peut avoir des bibliothèques. Parce qu'au fond, il y a aussi un enjeu en toile de fond de cet enjeu du recrutement dans les bibliothèques. Il y a l'enjeu de faire évoluer les représentations autour des bibliothèques, aussi bien auprès de la population qu'auprès de nos décideurs, pour bien faire entendre que les bibliothèques sont l'équipement culturel le plus fréquenté par le français, mais ça n'est pas pour rien, c'est parce qu'on y trouve une multitude d'offres de services et de collections qui vont dans des directions très larges, très diverses, et que du coup, ça permet la fréquentation de la bibliothèque par un spectre social finalement très très large, beaucoup plus large que dans bien d'autres équipements culturels, et que pour continuer à aller dans cette direction-là, eh bien, il n'est pas du tout contradictoire avec le fait de travailler en bibliothèque, de disposer de compétences qui au départ ne sont pas issues de cursus diplômants
de la voix des bibliothèques. Je pense que, y compris, j'imagine, enfin, je sais et j'imagine, pour ce que je ne sais pas d'autres bibliothèques, que ce mouvement-là est déjà bien entamé un peu partout en France et que les bibliothèques de Montreuil ne sont pas une exception de ce point de vue-là. Voilà, moi, après, je vais peut-être dire aussi, parce que j'ai cet exemple qui me vient en tête, mais que des collègues qui sont bricoleurs, ça permet d'installer vraiment des scénographies d'exposition très, très originales. Quand on fait un cycle d'exposition sur, par exemple, les personnes roms, puisque Montreuil est une ville qui a accueilli beaucoup d'immigration roms, eh bien, donc pour tenter de faire connaître l'histoire de ces personnes, leur culture, et faire baisser le niveau de racisme qui existait dans la population, nous avions choisi, par exemple, de travailler ces questions-là. Eh bien, quand on reconstruit des cabanes roms, comme il en existe au bord de l'autoroute, en plein cœur de la bibliothèque, eh bien, il faut voilà, un certain nombre de compétences, de bricolage pour monter ces structures-là. Quand on imagine, pareil, un jardin dans la bibliothèque, parce qu'on est thématique sur les jardins, eh bien, bien sûr, on s'entend que le service jardin de la ville, mais si on a des collègues qui maîtrisent un petit peu la manière dont poussent les plantes, moi-même, je n'y connais rien, et la manière dont on peut organiser là aussi l'espace, eh bien, c'est évidemment enrichissant. Et pour ça, il y a besoin de compétences techniques que certains bibliothécaires ont par ailleurs, mais que certains collègues dont certains collègues disposent parce qu'ils viennent d'autres services de la ville, qui vont éventuellement techniques et qui permettent de proposer des scénarios bien plus aboutis que ce que nous aurions été en capacité d'imaginer si tout le monde avait été issu de la filière métier du livre. Alors, merci Fabrice pour les réponses à nos questions, mais maintenant je vois que, et je vous en remercie pour les collègues qui nous suivent, on a de nombreuses questions sur Facebook, donc si tu permets, on va passer aux questions de notre salle virtuelle. La première question qui t'est posée, c'est, je lis la question bien sûr, c'est intéressant dans une grande structure ou un réseau intercommunal, mais pour les plus petites structures, n'est-ce pas trop lourd en formation interne et externe ? Ça peut l'être. J'aurais du mal à répondre. C'est vrai que je parle d'un endroit particulier, c'est-à-dire que une bibliothèque avec un grand nombre d'agents. En même temps, la question s'est posée également pour nous à Montreuil. C'est-à-dire que quand je vous dis que quand on a grosso modo plus d'un tiers de l'équipe qui n'est pas issue de la filière bibliothèque, évidemment. Ça interroge et évidemment, régulièrement, nous est posé la question de savoir quel est le point d'équilibre pertinent. Il faut quand même s'assurer que les compétences qui sont nécessaires au fonctionnement quotidien d'une bibliothèque soient présentes au sein de l'équipe. Donc, j'entends que voilà, sur une équipe de 5, s'il y a 4 personnes qui ne viennent pas du monde des bibliothèques, ça peut être compliqué à gérer. Il y a aussi une voie médiane qui est de recruter des bibliothécaires par exemple, se serait formé dans des bibliothèques un peu plus importantes comme celle de Montreuil, en ayant été auparavant dans une autre filière professionnelle et qui viendrait avec cette double histoire enrichir des plus petites bibliothèques. Il y a aussi des compétences qui sont maîtrisées par des collègues bibliothécaires parce qu'ils ont des centres d'intérêt personnel qui sont tout à fait mobilisables dans le cadre d'une démarche professionnelle. Et donc, je pense qu'il faut absolument les mobiliser parce que d'une part, ça permet ça suscite de plus grandes motivations dans l'investissement professionnel de la part de ces personnes parce qu'on mobilise aussi leur centre d'intérêt et à choisir. Moi, si on doit monter un projet en équipe et qu'il y a deux collègues qui sont passionnés par un sujet plutôt que par un autre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de cibler les segments de public que nous priorisons. Ensuite, on peut discuter du sujet et s'il y a des sujets sur lesquels il y a des passions qui existent au sein de l'équipe et qui sont liées à des compétences, eh bien, il faut évidemment s'engouffrer dans la brèche et faire appel à ses passions, à ses motivations et à ses compétences. Alors, d'un mot, parce qu'on a, beaucoup de questions et on vous remercie encore, plusieurs collègues te demandent de préciser pour les profils que tu as pu recruter, est-ce que ce sont uniquement des emplois de catégorie C et quels concours ont-ils passé pour travailler dans une bibliothèque ? Alors, ce sont essentiellement des collègues qui sont, c'est plutôt en catégorie B,
Les personnes dont j'ai parlé ont plutôt été recrutées en contractuel sur des postes de catégorie B parce que il y a des collègues aussi qui ont été recrutés en catégorie C, mais qui du coup ont été titularisés en C, puisqu'on a la possibilité de titulariser dès le recrutement. Les collègues ont donc passé majoritairement les concours de catégorie B des bibliothèques. Deux d'entre elles, le concours de catégorie A de bibliothécaire, l'une a quitté la collectivité, l'autre est restée dans la bibliothèque de Montreuil puisqu'un poste s'était libéré à ce moment-là. Et donc, il ne faut rien exclure en la matière. Ça vaut de mon point de vue pour l'ensemble des profils, y compris mon faible réseau entre guillemets dans l'univers des bibliothèques notamment par exemple via ma formation à l'ENSIB, me laisse penser que de nombreux professionnels qui sortent des concours, en tout cas du concours de conservateur, ne sont pas forcément issus des bibliothèques a priori. En tout cas, ce n'était absolument pas mon cas. Et nous étions un certain nombre dans la promotion de conservateur dans laquelle j'étais à être dans ce cas de figure. Là aussi, alors certes, il y a un mois et demi d'école d'application, de formation à l'ENSIB, à l'INET désormais, mais voilà, c'est possible aussi pour des postes d'encadrement, il me semble. Alors, on a un collègue de Rennes qui te pose une question intéressante, qui dit lui-même qu'il se fait l'avocat du diable, mais ne défavorise-t-on pas les compétences bibliothéconomiques ou les parcours les plus classiques en intégrant des personnes aux profils indirects? Et il poursuit, et si les bibliothécaires souhaitent bénéficier de formation, ne peut-on pas partir également en ce sens? Alors, bien sûr, il serait tout à fait possible, par exemple, mais simplement, je doute qu'une collectivité, par exemple, valide des formations de journalisme ou d'apprentissage de la musique pour des collègues bibliothécaires. Voilà, ça me semble beaucoup plus dur de faire les choses dans ce sens-là, alors que l'exemple, en tout cas les exemples que j'ai en tête, montrent qu'il est tout à fait possible d'intégrer dans le champ des bibliothèques, des personnes qui viennent d'un autre univers parce que cet univers professionnel les attire, parce qu'ils ont le souhait, le désir de s'intégrer dans ce type d'équipement qui propose, encore une fois, des perspectives qui sont pluridisciplinaires, qui balayent l'ensemble des domaines de la connaissance. Et donc, ça intéresse des gens qui arrivent d'un endroit et qui ont envie de, encore une fois, de prendre part à cette démarche d'éducation populaire. Donc ça me semble tout à fait possible, et ça ne me semble pas se faire au détriment de la filière, puisque la filière s'enrichit de ces personnes qui petit à petit l'intègrent. Donc après, il ne s'agit pas non plus d'en faire une doxa et de dire que il y a absolument tel quota tel pourcentage de collègues dans une équipe qui doivent être issus absolument d'une autre filière que de la filière bibliothèque. Tout ça est question aussi d'opportunité. Sur une grosse équipe, la manière dont ça se passe souvent, c'est qu'on a quand on a un certain nombre d'absents dans l'équipe, on est autorisé à recruter sur des contrats de 3 mois, et donc par les réseaux relationnels ici ou là, on recrute un tel ou un tel, ça s'est bien passé, ça enchaîne avec un autre contrat de remplacement, et du coup, petit à petit, la personne en vérité a commencé à se former, et donc progressivement se voit proposer un poste permanent. On a un pool de 8 étudiants à temps non complet qui aident à ouvrir la bibliothèque en soirée, sur les pauses méridiennes et le samedi, et donc par exemple certains, deux des personnes qui ont été étudiantes, et vacataires à la bibliothèque, sont devenus bibliothécaires alors qu'ils n'étaient pas du tout engagés dans les cursus bibliothèques. Donc il y a aussi des questions d'opportunité. Il y a une collègue qui était, quand je suis arrivé, qui était adolescente et qui était dans le club lecture de la bibliothèque, et qui petit à petit, qui ne se destinait absolument pas aux bibliothèques, petit à petit a été justement étudiante, a fait partie de ses étudiants à 10 heures par semaine à la bibliothèque, et puis qui à un moment donné s'interrogeait sur ses débouchés professionnels et a eu l'opportunité de faire un contrat de 3 mois et de rentrer dans le cycle que je viens de décrire. Donc il s'agit d'opportunités dont il faut se saisir quand elles se présentent. Il ne s'agit pas d'une démarche préméditée de dire attention, là je veux tel pourcentage de membres de l'équipe qui ne seraient pas bibliothécaires. On te demande aussi quel est le ressenti ou l'attitude des bibliothécaires face à ces profils aux parcours différents. Est-ce que tu as pu constater, notamment quand tu étais à Montreuil?
Non, c'est rien de particulier. C'est-à-dire que comme dans toute équipe, il y a des gens qui ont des atomes crochus et d'autres qui n'en ont pas, mais ça n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient issus de la filière bibliothèque ou pas. Et il n'y a absolument eu aucun, il n'y a jamais eu, en tout cas, j'essaie de me remémorer ces 10 années à Montreuil, mais je ne vois pas ça n'a jamais engendré de difficultés particulières d'aucune sorte. On te demande aussi de préciser, ces profils non bibliothécaires ont-ils des tâches bibliothéconomiques plus classiques à effectuer, ou alors leur temps de travail est-il dédié pleinement à leur spécialité? Non, mais ils ont bien sûr des temps de travail sur les collections, sur les d'accueil du public, enfin, je veux dire, comme tout le monde. De ce point de vue-là, non, il n'y a pas de différence. Alors évidemment, au début, ils sont accompagnés sur les aspects qu'ils maîtrisent le moins. Et puis assez vite, gagnent en autonomie et pour finir par devenir entre guillemets, des bibliothécaires comme les autres à certains égards, mais qui apportent aussi d'autres choses. Encore une fois, d'une manière qui, au final, en bout de processus, n'est pas si différente de ce que peut apporter un bibliothécaire qui, encore une fois, tout bibliothécaire qu'il est, a aussi des passions, des centres d'intérêt en dehors de son activité professionnelle qu'il est nécessaire de mobiliser. Mais bien sûr, oui, non, il est veillé à ce que les collègues participent à l'ensemble des aspects de la vie de la bibliothèque et à l'ensemble des missions. Des collègues. On te demande aussi comment justifier d'employer des contractuels. Eh bien, de ce point de vue-là, nous, on est une collectivité qui est assez souple. À un moment donné, voilà, quand des collègues, quand on ouvre un recrutement et que des candidats se présentent, voilà, on prend le meilleur. Donc, évidemment, nous recrutons aussi de très nombreux titulaires et encore une fois, il n'y a pas de démarche exclusive de recrutement de personnes qui seraient contractuelles et non bibliothécaires au départ. Voilà, il nous arrive de prendre nous recrutons les meilleurs et d'autant plus facilement, encore une fois, qu'ils ont eu l'occasion d'effectuer quelques temps de remplacement, que nous avons eu l'occasion de les croiser et de s'assurer que comment dire, la greffe était facile. Donc, il n'y a pas de démarche particulière mise en œuvre de ce point de vue-là. Et je pense que ça sera notre dernière question. Quelqu'un t'interroge si le risque n'est-il pas de dévaloriser le métier qui apparaîtrait comme un simple passe-temps avec ces recrutements de personnel extérieur au monde des bibliothèques. Et ça faisait partie aussi de certaines réactions qu'on a vues quand on a publié le sujet du Bibliogrill. Quel est ton avis sur la question? Sincèrement, non, je ne pense pas. C'est qu'encore une fois, ces personnes se destinent à devenir bibliothécaires. Ils y arrivent non pas par une filière métier du livre, mais par une expérience professionnelle préalable. Mais ils passent les concours en interne, ils se forment en interne et ils viennent enrichir l'activité des bibliothèques en devenant à leur tour bibliothécaires. Donc, de mon point de vue, c'est une possibilité complémentaire d'intégrer la profession de bibliothécaire. Voilà, ça fait plusieurs années qu'on parle d'éducation tout au long de la vie, de formation tout au long de la vie. Ça peut valoir pour des bibliothécaires qui souhaiteraient changer de voie et faire autre chose à terme, ça existe aussi. Mais il me semble pertinent que ce soit possible aussi pour des gens qui ont eu d'autres métiers et qui souhaitent rejoindre la bibliothèque. Ça ne dévalorise absolument pas, encore une fois, tout ce qu'apportent les bibliothécaires aux bibliothèques. Les formations sont tout à fait pertinentes. De mon point de vue, j'en profite pour en dire un mot, mais elle devrait sans doute s'enrichir de contacts beaucoup plus fréquents avec les professionnels de l'éducation et du champ social. Moi, je le répète à chaque fois que j'en ai l'occasion, c'est-à-dire que dans les formations métiers du livre, il faut de plus en plus régulièrement faire intervenir non pas seulement des bibliothécaires, mais des partenaires du champ social et du champ éducatif qui viennent dire ce que leur apporte la bibliothèque pour que demain, après-demain, les personnes qui seront sorties de ces filières-là soient d'autant plus
d'enclin à nouer ce type de partenariat. Donc, il faut sans doute continuer de travailler sur la formation des bibliothécaires, mais elle me semble tout à fait pertinente et nécessaire. Et là, encore une fois, je vous ai dit, on parle d'un tiers des collègues dans un équipement qui peut-être le fait davantage que d'autres. Donc, je veux dire, il n'est pas question de remplacer les bibliothécaires par des gens qui viendraient d'ailleurs. Il est question d'accepter d'ouvrir les portes et de faire en sorte qu'on puisse devenir bibliothécaire de plusieurs manières, et pas seulement au travers d'une formation initiale, mais aussi au travers d'une formation continue et d'une sorte de compagnonnage et d'intégration dans la profession de profils qui n'auraient pas choisi de bénéficier de cette formation initiale parce que ce n'était pas leur projet de jeunesse et ça peut devenir leur projet un peu plus tard dans la vie. Tu veux comment dire ? Ben, merci beaucoup Fabrice d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis et pour vos nombreuses questions qu'on n'a malheureusement pas pu toutes évoquer, mais merci encore. Merci à nos gentils génies de la régie, c'est mon exercice de prononciation, pour avoir assuré la réalisation technique comme toujours irréprochable. On vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouveaux Bibliogrilles. Et d'ici là, toute l'équipe de la délégation se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année. On en a bien besoin vu le contexte. À bientôt sur BPI Pro. Fabrice, merci encore. Au revoir. Merci.